Ce qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guéou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Monsieur, bonjour. Journal Gazette Créole qui rentre la caillou pour mardi 24 mai 2022 sur Radio Vision 2000. Dossier enquête New York Times sur l'agent Haïti de la France après l'indépendance là avec situation pauvreté pays à Vivio. Historien Georges Michel qui critique dirigeant haïtien dans l'époque là qui était proposé colon pour payer 50 millions de francs comme des dommages. Individu avec ZAM enlevé à aérosoir un jeune homme qui était dans un pick-up Ford Ranger et numéro plaque lycée AA00785 dans l'avenue Poupla qui est dans le à bon tout en croiseur Zorekin avec plaque service l'état d'après ça divers témoins rapportés. Association médicale haïtienne ak spécialisée lancé un appel détresse face avec insécurité en Cap Valetere et kidnapping nous trois multiplié et qui touché en pile le secteur médical là dernier jour si là yo Fondi gagné et pour biti trois médecins parmi le docteur Benetti Augustin qui toujours parmi kidnappeurs depuis environ et depuis plusieurs semaines forum AMH AMS ak société haïtienne pédiatrique la libération yo pressé. École nationale application Matissan 1 en retourné en local Lio, était quitté à cause de violence gang examio et Nam a accueilli à lundi à environ 350 élèves. Il a fonctionné 8 mois dans l'école qui gagne dans le local qui gagne l'école nationale Fortuna Guérien qui est tout près théâtre national sous bicentenaire. Gagne tout l'école nationale République Pérou qui pas fonctionné depuis environ 11 mois qui était relouvri porte li tout c'est dans zone Matissan 3. Agent public permanent yo a bénéficié d'une augmentation salaire à partir du mois ça. Ministère Finances adressé un mémorandum parmi l'autre par direction trésor à comptabilité pour prendre disposition nécessaire dans ce sens-ci là. N'a pas retourné, était branché. Une fois encore, bonsoir tout le monde. Technique là, c'est Evans Alcimé. Et puis, dans le micro, Nativita Prioli Pierre. Nous retournons pour détail information. Yo, individu avec un ZAM été enlevé à aérosoir. Un jeune homme qui tenait un pick-up Ford Ranger couleur noire qui portait plaque AA-00785. Ça s'est passé dans l'avenue Poupla, au fond du kidnappeur. Yo, t'es à Boyoto, talent croiseur. Et qui c'est ça les orequins habituellement avec plaque service l'état d'après ça divers témoins rapportés sous et kidnapping dans association médicale haïtienne actualisée lancé un appel détresse face avec insécurité qui a valétéré à kidnapping en tout qui a multiplié côté gagné plusieurs docteurs qui déjà touché dans affaire kidnapping ça a gagné trois médecins parmi eux docteur Benetti Augustin qui en bas mais kidnappé depuis plusieurs semaines. Forum AMH AMS Société Haïtienne Pédiatrie réclamé libération yo pressé. Nous voilà côté déclaration vice-présidente Société Haïtienne Pédiatrie docteur Lucita Laroche qui continue à réclamer libération collègue Libénédi Augustin a demandé autorité autour prend bonne jeune mesure pour rétablir un climat la paix dans pays a on a côté précisionné. Depuis 18-19 jours que docteur Benetti nan men yo a, l'hôpital Saint-Damien fermé, nous même pédiatre, nous avons fait 3 jours de fermé clinique, il y a l'hôpital qui était marché avec nous, l'hôpital Bernard Meuse, l'hôpital Espoir qui était marché avec nous dans la fermeture là. Donc ce n'est pas nous même seulement médecins, nous tout peur, nous prenons ça, nous tout peur. Mais il faut nous voir que le service nous voulons bailler là. Nous ne pouvons pas bailler parce que tout l'hôpital nous fermé. Et c'est une protestation, c'est une manière de protester pour tout le monde, pour le peuple, pour tout le malade, pour les patients qui ont besoin de nous. Donc est-ce que nous pouvons continuer
visiter l'hôpital le fermé chaque fois. Chaque fois, on prend le docteur. On fait 3 jours fermés, on fait 4 jours fermés. Et puis là, recommencer encore. C'est ça, nous besoin de dire. Nous avons sécurité pour nous, médecins. Nous avons sécurité pour famille, nous avons sécurité pour malades. Nous voulons pour l'hôpital de travail correctement sans ne pas prendre secours kidnapping. Non. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Et pas nous-mêmes seulement, nous sommes tout peuple, nous sommes tous patients. Le job, nous, c'est soigner. Nous avons besoin de malades pour nous soigner. Et le kidnapper, nous pas qu'à faire rien. Il y a un slogan qui dit nous bouquer, bail soin. Nous bouquer, bail soin dans la Pérez. Nous bouquer, chaque fois, nous avons pour nous peur que nous ne prenions pas. Nous voulons gagner liberté pour nous faire travail, métier que nous apprenons, que nous apprenons durement. Nous n'avons rien capable d'exercer dans le pays, nous, à cœur posé. C'est cœur posé à nous chercher, c'est cœur posé à nous demander. Nous voulons que les instances qui viennent pour faire job ça, fassent pour nous capable continuer le travail que nous avons pour nous faire. Association médicale haïtienne a spécialisé lancé un appel détresse parce que l'insécurité qui a valé terrain et qu'a kidnapping qui continue à multiplier pendant le dénoncé tout enlèvement qui fait sur plusieurs et docteurs déjà et parmi eux docteur Ebenetti Augustin, président AMH la docteur Carole Cadet lancé appel à l'autorité concernée pour faciliter libération tout le monde qui est en otage Jean-Bamain et Ravisseyo sous bon parler du secrétaire général association docteur Jean-Ardouin Louis Charles qui dénonçait le fait médecin yo tourné cible et kidnapper il lancé appel pour gros soulèvement général pour freiner action bandits dans pays a déclaration un appel au docteur Carole Cadet et puis Jean-Ardouin Louis Charles le tenu micro Jean qui seul prophète nous avons 3 docteurs semaine ça dont pédiatre a gagné 18 jours aujourd'hui dans mes kidnappeurs docteur Benetti Augustin, nous avons docteur Jacques-Pierre Pierre, un médecin, un senior de près de 80 ans, orthopédiste de son état et directeur de l'hôpital général, que il a enlevé après travail mardi dernier et demain a fait 8 jours depuis que le nommé ravisseur kidnappeur qui prend après travail, il est diabétique, il est hypertendu, par contre il y a des médicaments en main. Nous gagnons l'autre gynécologue obstétricien, docteur Clairville Ruben. Que relais aller dans pied travail il répond malade la protection bali et même j'ai avec docteur Pierre Bonsi même Jean avec docteur d'Alexis yo mettent mes sous tout yo pas connaît qui l'heure ni qui joue ni qui ça ca priver moun sa yo qui nan main et kidnapper l'ensemble que monsieur Mandéa c'est pour bagage que toute une vie ta fond moun rassemblé même si te met ensemble et corps médical là pas rassemblé yo mandé yo green moun ni qui nan fin carrière li. Donc est-ce que ces docteurs, il y a ramassé. Est-ce que c'est par hasard, il y a 3 docteurs dans mes yeux? Donc, nous venons, je dis, à lancer un cri de douleur pour famille Mounio, pour nous-mêmes camarades de travail, pour malades qui ont besoin de soins, pour pays en général qui a vu son stress, qui est dans le stade, pas dormir la nuit, pas sortir le matin, ou pas aller dans le restaurant, ou pas foutre à l'église. Nous avons lancé un appel à l'autorité qui est responsable de sécurité, nous, que nous avons droit à aller, pour être capable de prendre responsabilité envers nous, pour être bonne sécurité pour nous vivre dans le pays, nous, pour nous travailler dans le pays. Nous. Pour faire tout ça qui est possible. Mais ça qui sous compte pour faire docteur retrouver famille c'est ça que nous venons demander matin hein, pour nous capables porter voix docteur dehors tout côté que nous arrivons pour nous dire qui ça que responsable pays a fait avec docteur et pays en général c'est aussi on prend plus médecins toujours donc faut responsable pays mais faut tout secteur qui concerne dans pays tout pour eux même pour prendre responsabilité tout pour quitter le pays à fonctionner normalement. Parce que côté bagaille a passé, pour prendre monde comme ça, pour gagner des armes comme ça, c'est la douane qui a passé, c'est l'autre côté qui a passé. Donc il faut tout bagaille ça, camper pour nous pas à plaider, c'est nous-mêmes qui avons subi bagaille là. Parce que les médecins qui ont des problèmes, c'est malade qui ont des problèmes, c'est la population qui a des problèmes, c'est la famille malade qui ont des problèmes. Donc nous demandons pour ça suspendre, nous disons assez pour nous connaître, je n'ai pas ces voix population, oui, 10 populations ça, et 10 personnes qui sont responsables pays à ça, que nous avons assez de ce problème. Il faut le finir pour la population qui a vaqué à l'occupation pour le pays à refonctionner normal. Et ça nous besoin. Et ancien sénateur Jacques Sauveur Jean qui dénonçait le fait de gagner mais et l'autre pays des climats insécurité ça qui gagne dans le pays pour lui-même, c'est la nation haïtienne qui pour organiser ou cap sortir Haïti dans la situation des jeunes aujourd'hui. Ya. Déclaration ancien parlementaire là qui était dans le micro, Marie-Lucie Bonhomme. L'insécurité nous est arrivée de étrangère. Et automatiquement, quand on parle comme ça, on parle courir sous ISO, on parle courir sous barbecue, on parle courir sous la Bossanjou, mais on parle de longue cible là. Parce que yo était toujours là. Gardez qui génération que yo. Moi, de la Bossanjou qui l'âge, il nous a 29 ans. Moi, de ISO qui l'âge, il nous a 24 ans. Moi, de barbecue
qui l'a vu du Douli 31 ans. Est-ce qu'on a un petit monde 24 ans pour être responsable de ça qui planifie depuis 1500, 1600? Donc c'est là qu'il faut voir les choses. C'est la fin d'une génération, c'est le défi à relever en tant que génération. Ordinairement, on joue des complices, d'un coup, M. Ariel Henry, on joue des hommes de la classe possédante qui a joué leur rôle en tant que l'homme colonisé acquis à cause des colons, comme toujours expliqué comme ça, et l'OSA avec colons, ils n'ont pas fait deux, ils font seuls. Mais maintenant, c'est face à la nation haïtienne, face au Bossal, il faut avoir un comportement, il faut être organisé pour pouvoir introduire une démarche et pour mettre nos deux à la peine, parce que les colons, ils ont toujours des complices. Pour mettre ferme confiance, Madame Bonhomme, si on est tiré à l'arrivée qu'on y a là, et pour dire qu'on a besoin de 1000 premiers de nous, voire 50 000, quand il n'est qu'un pédé à la porte, là, je veux être le prochain. Et pour faire quoi? La même chose qu'Ariel Henry est en train de faire. Je dis que c'est le problème n'est pas un problème de monde, qui quantité monde, c'est quel est le rôle de la personne qui va occuper cette place et quel est son objectif, quelle est la démarche qu'il va entreprendre pour faire quoi? Parce qu'on a affaire avec un système. Et c'est ça qu'on peut le monde toujours dit, après des jours, le système, parler de système, quand il y a un qui vient à nous, il n'y a qu'à changer le système. Hein? Non, le système sur qui introduit une seule fois. Si on a un système, nous, comme génération, on a introduit, on a bien introduit le système voilà, avec un objectif simple et clair. Mais cependant, on ne peut pas venir dans le système où on dit qu'on ne va pas changer. On va mourir même la journée, on va mourir même la journée. On va commencer à des révolutions. Mais cependant, on va aboutir à joindre que le système n'a mangé parce que le système sont beaucoup plus haut que affaire au monde. Ce n'est pas au monde, ni au président, ni l'État, ni le gouvernement qui est capable de garantir qu'on va changer le système. Ces gens sont là pour être sûrs que le système fonctionne parfaitement. Maintenant, comment introduire notre système et quelle génération qui doit introduire notre système, à quel fin, avec quel objectif, quelle doit être la démarche. Donc moi-même, je connais. Pour que ça, si bah, il s'en saillot, on a une grosse tête. Ou du moins, bon, ordinairement, les plus grosses têtes, elles sont au service du système. Si tu regardes le fonctionnement du palais national aujourd'hui, le palais national sans président, mais avec secrétaire général de Guada. Donc c'est le président à vie. Qu'est-ce qui siège qui met en secrétaire général, tel Corbeau, c'est Ariel Henry, que dit la Constitution. Comment trouver le fonctionnement d'une institution comme la présidence sans le président pendant tout ce temps? Donc on voit qu'il y a des grosses têtes qui ont passé. Déclaration ancien sénateur Jacques Sauvergeon. Condonateur Fonds National, Organisation pour Haïti Stable et Démocratique, la Rose Mongeant dénonce climat d'intérêt. Gak Améo maintenant pays, il a la responsabilité à sous le gouvernement Ariel Henry. On a écouté précision le micro, Marie-Guylaine Saint-Aimé Masséus. Nous dénoncer pour nous montrer pays, véritablement qui est ce monde qui met gang dans le pays, l'engade avec qui inquiétude. Premier ministre Ariel rentré à le fêter, à le commémorer 18 mai à Akaye. Ça veut dire qui ça pour nous? Ça veut dire, si Ariel qui a traversé 400 maos, pas qu'on va le tirer. Akaye avec Rosemila, Tolbe Alexis, pas qu'on va le tirer. Il fait preuve que c'est eux qui mettent gang. C'est preuve. Parce que, vous imaginez, lorsque le président Jovenel Moïse t'a battu pour le temps de Akaye, qui ça madame ça, qui ça moun ça a été fait pour Jovenel Moïse pas venir à Akaye? Moi-même, posé cette question. Qui bien, coucou, t'es fait pour friser, pour le tarer les petits qui frisent là, jusqu'à ce que pour Ariel t'a passé beau pour passer à l'quoi de bouquet. Pour avoir une balle qui tire. Ça veut dire, ils ont débloqué l'argent, ils ont monnayé les gens. Pour les gens, ils ont une balle. C'est même gentil. Les gens ont payé en otage, ils ont mis l'argent dehors, ils ont fait mon tirer par-ci par-là, pour une façon pour montrer le pays, pas de conditions pour faire élection. Eh bien, nous-mêmes, matin, hein, nous lançons un vibrant appel à un ensemble de monde. Ils ont un téléphone, ils ont un pays. Nous avons un dossier en bonne forme, nous avons monté par rapport avec un ensemble d'assassinats qui fait dans la carrière. Rosemila, petit frère, ensemble avec l'équipe Lyo, qui pour répondre pas devant la justice, pour ensemble de biens, ils ont détruit dans la carrière. Pour ensemble de monde, ils ont assassiné dans la caille, alors que je dis à vous montrer clairement que tout ça que vous fait, c'était pour pouvoir, vous tuer Mounio, vous assassiner Mounio, pas pour l'autre objectif, seulement pour être consolider le pouvoir. Eh bien, c'est peut-être ça, matin, nous faire confiance. Un, dénoncer Teriel Telus qui fait être passer comme bon Dieu sur la terre, pour nous dire Mounio, ensemble des fausses irrégularités que Teriel gagne dans Salabdi. N'a dit pour la presse. Un, Bob, Patrick Hotnel, gentil, Mounsayo, que la police interpelle, il n'a pas arrêté ni pour vol, ni pour kidnapping, ni comme bandit. Parce que si vous êtes bandit, vous avez fait partie de gang au Nicolas. C'est des agents, c'est des brigades. Vous cantonnez dans la brigade de surveillance des aires protégées, qui c'est BESAP. L'on prend la osier
Pierre et Renel Gentil, deux moun sa yo, c'est des fonctionnaires. Et l'État employé yo pour sécurité, c'est pas même contre nous, rien. C'est des fonctionnaires comme sécurité à peine transférés dans centre Germoplace Camperin. Non, yo transféré au sans l'argent, yo fait combien de mois? Yo pas touché. Yo rentré dans la capitale là pour venir chercher connait de quoi il en est parce que yo des petites yo madame. L'on prend Oknel Tassi ou prend Patrick Sistanis, nek sa yo, yo cantonné dans air protégé Balance. Ça veut dire pas même dans Port-au-Prince, c'est vini yo vini dans cadre activité pour jeune pour bail famille yo. Eh bien, la police barre non zone chaud dans cadre travail la police interpelle yo et on y a la police attend pour que clarification faite. Mais c'est pas de moun yo tant que jeune Teriel Telis détendu, yo arrêté yo avec zam taxi, gilet pas balle, yo arrêté à manchette, yo arrêté à couteau, yo arrêté à ceci, il était dans voler ceci, non. Déclaration Rose Bonjean, climat insécurité pays a fait face à Kounia, ses résultats, injustice sociale, d'après ancien député Marie-Goua, DU0.